Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20 de mon let's play sur le jeu Dark Souls 2, en plein dans les flammes de l'enfer. Et je vous retrouve ici, sans vous saluer, parce que si je bouge d'un poil, je vais griller sur place. Et c'était pour vous montrer qu'en avançant tout doucement, à cette distance, on peut ramasser cet objet, sans se brûler. Regardez, je suis dans les flammes et j'ai pas mal. Et on gagne une clé en fer. Et on va se barrer d'ici parce que c'est super dangereux et voilà quoi. Alors, on se retrouve après l'épisode 19 où on avait visité un peu cette partie de cette zone là où c'était assez tendu. On s'est amusé un peu dans le beffroi du soleil, vous vous souvenez. C'était assez flippant. J'ai tué tous les mobs, j'ai à nouveau pacifié la zone, c'était assez embêtant, assez chiant. Par contre, regardez mes âmes, je suis repassé à 209 306. Ce qui fait que ça va là, j'ai acheté tous les trucs des marchands et je suis totalement à jour comme avant. Donc pas de soucis. Il est 18... Bah on est le 18... On est le 18 mai, toujours, et il est 21h52, pour vous dire, le temps que de terminer tout cela. Et vu les nombres des marques là-bas, je pense que ce brouillard, c'est un boss. Je me suis pas spoilé, je sais pas ce qu'il y a. Là, il y a notre ami, ouais, voilà, c'est ce que j'avais vu, Mita. Donc, quand il y a cette nana là, c'est qu'il y a un boss, alors voilà. Et on va essayer de récupérer ce truc là-bas. Et oh oh! Ouh, ouh, ouh. Wow, j'ai eu chaud là. Super, tout ça pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment on fait après pour partir? Comme ça? Ok. Et on est dans l'épisode 20. L'épisode 20 qui va être très long, puisque j'ai envie qu'on termine complètement cette zone. Peu importe les nombres de boss qu'il y a. Il y en a 1, 2, 3, 50, mais 1 million. On fera un long épisode, il y aura peut-être des ellipses, il y aura peut-être du fail, il y aura peut-être des cris et des larmes, mais j'ai envie qu'on avance et je veux qu'à la fin de cet épisode 20, on se dise, ça y est, il n'y a plus de forteresse de fer. À part en off où je pacifierai le reste de la zone, bien sûr. Allez, on va aller voir, on va aller visiter. Alors, pour vous dire, il s'est passé une petite chose marrante. Mon épée, elle a changé, c'est l'épée, comment ça s'appelle ? L'épée de chevalier de Aid, elle est en plus 10 parce que c'est pas mon épée et je la garde. J'ai joué un peu en coop et un français m'a donné cette épée qu'il avait montée tout simplement. Il m'a donné aussi un autre set d'armure, mais je l'ai rangé puisque je voulais pas trop me spoiler. Donc personnellement voilà, il était bien gentil, mais il donnait beaucoup trop de choses citées. Là, cette épée, ça va m'aider pour les boss. Et on va voir, puisque j'ai remarqué que l'électricité, en fait, est meilleure sur des monstres qui travaillent avec de la lave, tout simplement. Moups. Il a l'air gros, lui. Oh, il a l'air fort, lui. Allez, moi, je t'invoque. Je t'invoque, Moups. Je t'invoque, et on va combattre le boss ensemble. Oh oui, je sais pas ce qu'il va y avoir, mais là j'ai bien envie de me le faire en coop à 3. Un avec un PNJ, qui sert pas à grand chose, et un avec un vrai joueur. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il est invoqué? Il est pas invoqué, il est invoqué, il est pas invoqué, il est pas invoqué, il est invoqué. Et on va lui dire bonjour. Et il nous a jeté un truc qui nous a dit bonjour. Allez, c'est parti, mon kiki, à l'attaque. Oh là, c'est quoi ça? Démon fondeur. Ah ouais, t'es moche. Vous voyez, wow, je fais rien du tout. Oh là là. Waouh, qu'est-ce qu'il... Il a plein de feux partout, ce monsieur! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait?
pas, ma vie, elle... Oh non, les flammes de son corps m'empêchent de le toucher. Ma vie, elle descend. Oh là. Oh là là. Oh là là. Oh. Oh, il fait quoi? Oh, il fait une onde de choc, quoi. Ouais. Mais il est horrible. Non, non. Tue pas, Mita. Mira. Mita, c'était une sorcière. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Allez-y les mecs, hein, je vous les laisse. Y a pas de soucis, c'est cadeau, c'est pépère, c'est du câlin. Oh, oh, oh là là. Attention, poussez-vous. Mira, pousse-toi, tu vas péter, Mira. T'es débile. Oh, oh, il l'a eu. Il l'a eu. Oh, bravo. Ah bah, on l'a eu grâce à Moops qui nous a aidé. Merci beaucoup. Au revoir, Moops. Et il nous a bien aidé. Et on a, vous avez pu remarquer qu'il a... comment ça s'appelle? Il avait l'armure de Havel. Donc, ça veut dire qu'elle est bien dans ce Dark Souls, tout simplement. Ah, et bah ce boss, il était horrible. Je pense que j'aurais pas réussi tout seul. Allez, le prochain boss, je le ferai tout seul, promis. Je sais que ça peut gêner certaines personnes que je joue en coop pour les boss. Mais comme je vous ai expliqué, c'est juste mon premier run. Donc mon premier run, on y va gentiment. Ouais, qu'est-ce qu'on a débloqué ici? Ah, c'est très joli ça. Loué soit le soleil. Loué soit le soleil, loué soit le soleil. Je vais te montrer, moi, le soleil. Bouclier porcin. Bouclier porcin? C'est quoi ce truc? Un bouclier avec une tête de cochon? Un gros semble étonnamment authentique, mais il s'agit que d'une... Regardez! J'ai une tête de cochon! J'ai un bouclier cochon! Il est moche! Enfin non, je le trouve sympa. Il est sympa, mais... C'est Ah, il y a un feu, là. C'est assez bizarre qu'ils aient pensé à faire un bouclier en tête de cochon. On va remettre mon bouclier à 100%, hein. Et puis on va continuer, mes amis, on va continuer. Je pensais pas pouvoir y arriver si rapidement, je pense que c'est grâce à Moops, hein, qui m'a aidé. Alors on est où, là? Ah, d'accord, c'est un raccourci. Ah, ça m'invitera de me retaper tout le truc là-bas. Oh, bah c'est cool. J'ai tué les deux tortues géniales qui étaient là, et celle qui était sur la gauche. Mais les autres, je vous les ai laissés parce que voilà, on sait jamais. Oh là, il y a lui qui est débile. Ok. Allez. Je crois que je vous l'avais montré ça. Au revoir. Ça c'est génial. Par contre, si vous voulez les farmer, c'est pas très très intéressant parce qu'on a les pièces d'armure. Vous pouvez leur dire au revoir. Hein. Alors, voyons voir. Il y a ce monsieur-là. Allez, voilà. Alors, eux, j'ai réussi à avoir leur armure. Et j'ai réussi à... Comment ça s'appelle? Toi, tu vas me tirer dessus, hein. Ah ouais. T'inquiète, ma petite popiette, j'arrive. Ah mince, j'ai raté. Oh oh. Olé. Oula, attention, là il y a un piège. Allez, non. Ouais. Oh mince, j'ai jambière.
Impossible, ouais. Ça, c'est quasiment impossible, c'est clair. Quoi, comment ça se fait? Parce que j'ai ma... D'accord! Waouh, mais comment je fais pour partir? Je présume que je dois sauter. Oh, allez! Ok. D'accord, regardez-moi ces pièges de malade! C'est super dangereux! Et là, il y a des boutons, alors là, il faut faire attention. Oh là 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 là, d'accord, d'accord. Ça va, la zone n'est pas trop difficile, mais... Là, c'est plutôt dangereux, hein. Ah, il y en a encore un autre, là, Arche. Ah, tiens, ça fait penser que faut que je change d'anneau. Faut que je mette l'anneau spécial des serpents pour avoir plus de chances de mettre leur équipement. Je suis étonné. J'aimerais savoir à quoi ça sert, là. Wouah ! Ah ouais ! Ah d'accord ! Ah ouais, c'est comme ça. C'est genre, t'appuies sur le bouton, le truc, il se casse. Ok. Ok. C'est dangereux, faut faire attention. Ouais, c'est bien ce que j'ai vu, il y avait une tortue géniale là. Oh là là. Oh là là. Viens par là, ma petite tortue géniale. N'appuie pas sur le piège. Oh, ça va, je les déclenche pas. Bon, les tortues, c'est assez simple, hein. J'ai mis un peu de temps à me rappeler comment les vaincre. Mais bon, on les avait déjà rencontrés, vous voyez. Un coup, vous reculez. Un coup, vous reculez. Un coup, vous reculez. Et le dernier coup, vous le balancez. Et puis basta. Ok, ok. Il n'y a pas, ouais, quelque chose, hein. Mur illusoire devant. Ouais, je suis pas sûr. Ça, c'est un troll. Il n'y a pas quelque chose, là. Il n'y a pas quelque chose que vous me cachez, mesdames les statues. Bien au moins dans ce niveau, c'est qu'on y voit très bien. Il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de problème. Allez, deuxième boss. Deuxième boss de la zone. Attention, embuscade gauche. Droite. Ah. Salut. Bonjour, monsieur. C'est méchant. Alors, il y a quelque chose là-haut. C'est-à-dire qu'on peut descendre. C'est-à-dire qu'on peut monter plus haut, je veux dire. Parce que là, en bas... Excusez-moi. Comment on fait pour aller là-haut? J'ai pas la moindre idée. Ok. Oh, oh, dans un couloir, vous êtes sérieux? Allez! 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 Bon, ça va! Allez! Bon, on va y arriver, hein! Volez! Oh, ça va! Et c'est marrant, c'est des plaques de fer, c'est... ouais, c'est bien le mur de fer, hein. C'est enfin, la forteresse de fer, là t'es sûr qu'il y a du fer, et c'est là... Ok... C'est un hachoir, ce machin? Pourquoi il y a du sang? Parce que genre, il faut passer? Genre à la wall again, comme ça? Oh, oh... Olé! Allez! Oh, comment tu t'es fait avoir? Le hachoir de l'amour. Ah, ah, ah. Mais par contre, c'est super balèze, hein. Il faut pas rester là-dessous, hein. C'est dangereux. Feu de droit devant ici, gauche. Attention. Oh yeah. Oula, c'est dangereux, ce machin.
Attention. Oh là là. Je prendrai pas le risque d'aller ramasser le machin. Ah là là, vous pouvez toujours rêver. Hein. Juste de crever dans d'atroces souffrances et tout. Ah là, y a rien en fait. Oh là, oh là là. Allez, allez. Allez, viens, mon kiki. C'est dangereux. Allez, meurs, meurs. Eh, c'est super dangereux ce machin. Avec le feu derrière et le mec devant. Wouah. C'est méga dangereux. Où est-ce que je suis, moi? Wouah, il y a de la lave partout. Oh, il y a... Ah, je suis sûr, si on descend, on se fait défoncer. Alors non, il y avait marqué feu droit devant. Essayez gauche. Droite, gauche, c'est de l'autre côté. Moi ça m'intrigue, je vais aller voir là-bas, je retourne dans cette salle. Ah, il y a une échelle. D'accord, je l'avais même pas vue pour vous dire. Je l'avais même pas vue, voyons voir à quoi ça monte. Ok. Saignement, mais trop. Vous êtes morts comment, vous les mecs? Oh, vous êtes fait écraser. Ouais, c'est bizarre d'avoir une zone vide comme ça. Ah là, il y a un feu. Cool. Là-bas, il y a l'air d'avoir un levier. Ça fait quoi, hein? Fait rien. Ah mais ça a arrêté le feu. Pour espoir ou quoi? Ça a arrêté le feu. Ça a arrêté le feu, mes amis. C'est sympa ça. D'accord, bah j'ai bien fait de retourner en arrière finalement. Eh ben on va pouvoir voir l'objet. Cool. Par contre ces grandes caches c'est bizarre. Hein. Je suis intrigué là. Arc court de foudre. Ça sera meilleur que ce que j'ai. Vue imprenable droit devant. Oui, j'admets que c'est une vue imprenable. Par contre, ça sent le boss, là. Ça sent le boss, le dragon, le truc de malade. Ça sent le boss, là. Regardez cette zone. C'est pas... C'est une zone de combat, ça. Là, je vais passer le truc, je vais avoir un combat de boss. On est d'accord. On est d'accord. Waouh. Oh... Ça risque d'être tendu, ça. Ça va être tendu du string. Allez, c'est parti. Oh, le dragon, il va sortir des flammes, je pense, le dragon. Qu'est-ce? Ah! C'est quoi ce machin? C'est pas un dragon? C'est Satan? C'est Satan le boss? C'est Satan, je suis en enfer! Non mais quoi? C'est un géant? Un moitié démon dragon? Mais c'est horrible! Oh mon dieu! Oh mon dieu, j'ai peur! Oh mon dieu! Au secours! Ah, il crache du feu! Il crache du feu! Et comment vous voulez que je l'atteigne? Wouah! Qu'est-ce que c'est quoi ce truc? Oh là là! Oh là 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 là! Wouah! Ça m'a touché! Allez! D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et moi j'ai... Olé! Ah ouais, mais là je suis pas du bon côté là, il balance des trucs magiques!
Oh là 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 là, oh là là. Oh là 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 là. Oh, faut que j'esquive. Il est parti où? Il est parti où? Il est parti où? Où est-ce que t'es? Où est-ce qu'il est? Wouah! Wouah! Le mec! Wouah! Oh la clac-clac! Je vais prendre cher! Wouah! Bon, il est lent. Son attaque de laser magique, là, de ses mains, ça va. C'est assez simple, on voit quand est-ce qu'il le fait, donc faut pas que j'aille à droite, faut que j'aille à gauche quand il fait ça. Par contre, quand il est prêt, pouah, il met des coups de tatane, ça fait mal. Waouh, 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 ça va être tendu, ça va être tendu. Je pense que je vais un peu augmenter mon niveau, là. J'étais niveau 50, je sais que ça fait un moment que je l'ai pas changé, même dans cette zone-là. Donc là, je vais en profiter, je vais peut-être monter avec vous, je vais vous garder. Waouh, mais vous avez vu ce boss? C'est sûr, ça, c'est un boss ancien. Hein. C'est une des super armes de la mort qui tue, hein. C'est juste un truc de malade, hein. Hop là, je vais aller réparer mon anneau. Tiens, je vais aussi changer d'anneau. Comme là c'est un boss, je vais remettre mon anneau. C'est dommage que j'ai pas d'anneau qui me protège contre le feu, parce que ça m'aurait bien servi là. I'll be around if you make it. Et fais voir fais voir ce ton arc là de foudre. 91 au lieu de 50. Ah ouais, mais c'est parce qu'il est pas amélioré. Ouais. Pouf. Je vais aller voir juste les deux marchands là, parce que ça fait longtemps que je les ai pas, je leur ai pas parlé. Je vais voir s'ils ont pas des trucs à m'acheter. Non, j'en ai 99. Ouais. Et toi là, t'as pas réussi. S'en fout, t'es moche. Pouf, c'est quoi ça? Ah mais c'est l'armure du démon fondeur. Oh bah je t'achète. Par contre c'est super lourd. T'es sérieux là avec tes trucs? Est-ce que ça protège? Ouais mais ça protège super bien contre le feu, attendez. Je m'en fous, t'es moche. Fais voir. Ouais mais regardez, c'est 10 fois mieux que ce que j'ai. Mais l'armure elle est... Oh, par contre c'est moche. Ouais mais 106 quoi, 106 le machin. Ah c'est... L'armure est classe hein, regardez-moi ça. Elle est fabuleuse mais regardez-moi ça. Oh je suis lourd. Je suis lourd. Je dépasse les 106% quoi. C'est pas possible. Ah mon dieu. Bah tant pis, on va la garder mais je vais pas pouvoir la mettre hein. Je vais devoir regarder mon armure plus 5. Hop là. Et si je mets le casque? Faudrait... Ah, je dépasse 78 quoi. 78! Abusé. Ah. Putain, je vais mettre ça. Je suis à 70, donc normalement, je devrais être pas mal. Ok. On est bon en armure, on est bon. Allez. Ah oui, toi. Niveau sub, comme ça va pouvoir vous montrer un petit peu. Tiens, augmente ma charge de 2. Et voilà. 55. C'est pas mal. Voilà, j'augmente de 5 niveaux. Hop, ça devrait pouvoir le faire. Mais mon dieu, quoi, ce boss est juste horrible. Voyager. Du coup, on va se téléporter.
Mais là, en fait, finalement, la zone est très petite. Hein. On dirait pas comme ça, mais elle est très petite parce qu'il y a la première zone où on passe par différents chemins, mais une fois qu'on a tout ouvert, ça passe super vite. On a la deuxième zone, mais regardez, on l'a passé en l'espace de 3 minutes, même pas. C'était pas difficile. C'est vrai qu'elle est classe cette zone, elle est très sympa, mais elle est toute petite. C'est un peu de l'arnaque. C'est légèrement de l'arnaque. Alors, voyons voir. Bonjour monsieur la tortue. Alors là, il n'y a plus de flamme, donc ça devrait être tranquille, t'inquiète pas. Raté. Eh, on tape plus fort là, j'ai l'impression. Olé. Ouais, on tape beaucoup plus fort hein, quand même. Bon, deuxième essai. Après, si je meurs, hein, vous savez, je fais des ellipses. Parce que je vais à Majula, je vais réparer mon anneau, tout ça. Enfin, vous connaissez la chanson. Et on va se faire ce boss. On va se faire ce boss tout seul. Allez, je t'attends, mon gros. T'es où? Wouh, il est là. Bonjour. Wow. D'accord, je peux le taper. Ouais. Aïe, fait mal. Oh, l'enfoiré. Quoi? Alors ça nous touche? Ça nous touche? Ouais, bien sûr. C'est débile. Ouais, je sens que ça va être tendu. Mes amis. Puisqu'en fait, il suffit simplement de... Faut pas que je pars. Faut que je mette mon épée à deux mains. Et que je fasse des tours. Bon. Eh ben, à tout de suite. Et c'est reparti. Allez, troisième essai. Let's go pour le deuxième boss. Alléluia. Il va encore sortir des bas-fonds de la folie. Tu sais que le feu que ça brûle, ça fait du mal. Allez. Et le pire dans tout ça, c'est que je le rate. Je vais mourir. Ah. Non mais là, mais quoi? Mais non, mais j'ai le temps de rien faire. Faut que je mette mon esquive plus rapidement. Voilà, c'est, je pense que j'attends trop longtemps avant de faire mon esquive. Ah, oh, c'est relou. Oh, ellipse. Et c'est reparti, Blarkan contre le boss, quatrième essai, même pas mal. Espèce de gros moche pas beau. Olé. Ouah, je fais si. Olé. Oh là là. Ouah. Mais non. Mais genre. Genre, il y a un trou là. La reine, elle est toute petite. Oh. Mais genre. Oh, on se retrouve pour le cinquième essai. Oh, s'il y avait mon ami Moops. Cinquième essai, mes amis, je suis passé niveau 60, j'ai augmenté à 20 ma force et ma dextérité. Là, j'ai pas envie d'augmenter plus pour le moment, niveau 60, c'est très bien. Puisque c'est pas la force qui me manque, mais bien l'esquive et
Le souci, c'est que... Je vais juste vérifier l'arène. Voilà, là, il y a un trou. D'accord, là, il y a un trou. Il faut faire attention. Ok. Ok, ok. Allez, viens, mon gros. Tiens, tends ton cucu. Ça fait mal, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, d'accord. Ah ouais, ah, t'es comme ça. Wow. Wow. Il est parti où? 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 Et il est parti par là. Oh. Regardez la vie qu'on lui enlève, quoi. C'est hallucinant. Oh là là. Oh, on lui a enlevé pas mal de vie là, on est bon. Oh. Alors attention. On est bon là, on est bon les amis, je le sens bien. Je le sens très très bien. Je le sens très très bien. Oh là. On va se protéger du feu. On va se protéger. Ah, il s'est barré. Il s'est barré. Où est-ce qu'il barrait? Ah, j'ai mon petit cœur qui palpite. Mon petit cœur qui palpite. Wow. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Wow. Oh mon dieu, il me fait peur. Oh. Olé. Allez. Allez, allez mon gros. Je le sens pas bien. Ouh là là. Oh, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Allez. Tio. Allez. Encore un coup. Encore un petit coup! Un petit coup de l'amour! Allez! Plus qu'un! Plus qu'un coup et il meurt! Plus qu'un coup et il meurt! Oh là là! Non! 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 Oh mon dieu! Non! Il était mort! Il lui manquait un coup! Non! Oh, l'enflure! Bon, on tient le bon bout. On tient le bon bout, on tient le bon bout. Ça va, ça va, ça va. Je vous reprends tout de suite devant le boss. On va se le faire, ça, la sixième, ça va être la bonne. Allez, sixième essai, on va le massacrer, on va le massacrer, on va le massacrer, on va prendre notre revanche. Allez, viens là, maintenant je connais ton pattern. J'ai pas peur de toi. Tu vas sortir d'où? Je connais ton pattern, j'ai pas peur de toi, mec. Ah, il m'a touché quand même. Voilà, oui, il est parti. Viens là, espèce de vieux roi de fer, démon Satan, uluberluesque. C'est le prix. Olé.
Esquive. Ah, ça te met le... Ça te met le pâté. Oh là là. 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 Ah là 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 là. Heureusement qu'il est gros, hein. Non, mais pourquoi t'as glissé? On va rester le temps qu'il faut. J'ai quitte à tourner 3 heures de vidéo et vous faire un petit montage. On va le tourner. J'ai prévu qu'on le tue et qu'on fasse d'autres trucs après ce boss. Mais je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Il est pas fort. Il est pas fort. Allez, à tout de suite. 7e essai, c'est parti, on y va. Je suis chaud comme la lave, comme la braise, comme le Satan. Je vais te montrer que ma chaleur, elle est plus grosse que la tienne. Espèce de démon de l'enfer. Espèce de Satan. Olé! Oh là là. Tiens, t'as vu ta vie comment elle est partie là? Hein? C'est qui le bébé? Olé. Ok, ok, bah fais-toi plaisir. Franchement, ces attaques me servent, ne me font pas peur. Oh, oh le crétin, il va sortir d'ici. Il va sortir d'ici. Oh là, foiré. Il m'a fait une feinte. Allez. Oh, oh non. Non, 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 non! Je hais ce trou. Ce trou est démoniaque. Il n'y aurait pas ce trou. Mais je serais... Alors là, si vous m'avez pas vu rager depuis 20 épisodes sur Dark Souls, ça y est, vous êtes sur un épisode spécial rage. Ah, spécial, je deviens fou. À tout de suite. Allez, 8e essai. On y va, on perd pas de temps et on l'éclate, cette enflure. Sale trou. Oh là là. Je n'ose dire. Je ne dis plus rien. Allez, 9e essai. Ah. Oui, je suis agacé. Ah, ce foiré de sac à PV. Alors, faut que je fasse attention. Voilà, là, il y a... Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, non, j'ai même pas le temps, allez, allez. Va te mettre ton anneau là dans ton derrière. Oh, mais j'ai... Et c'est le 10e essai, j'espère que ça sera le dernier. 10 essais sur ce... de schtroumpf, de vieux roi de fer, quoi. Vieux roi de fer. C'est Satan! C'est pas un roi, c'est pas un humain! C'est Satan!
Ça sent le montage de toutes mes morts. Ça sent le montage de toutes mes morts. 11e essai pour ce boss. 11e essai. On a envie de mettre à pâté un vieux roi de fer. Il y a un petit Blarkan qui veut défoncer du vieux taureau poilu. Hein? Olé, mon kéké. Tiens, tu m'agaces. Allez, viens mon gros, viens! Oh là là! Allez! Allez! Ouais! Ouais! Je t'ai défoncé! Je t'ai défoncé! Ouais! 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 Loué soit le soleil! Loué soit le soleil! À la wall again! Test the bouillant! Raven, ça c'est pour toi! Ah, il m'aura fallu 11 essais, des fails à gogo, et je l'ai défoncé! Un monté de niveau plus 10. Et là, je vais marquer quelque chose. Je vais marquer. Qu'est-ce que je vais marquer? Je sais pas. C'est où j'ai réussi? Comment on fait concept? Victoire! Sauvegarde! Voilà! Victoire! Victory! Ah! Il était pas dur. Mais ce trou! Mon de Dieu, il était chiant. Pouah. Dédicace à toi, Michel 59. Toi qui m'as donné cette épée, c'est grâce à toi que j'ai réussi à le vaincre. Merci beaucoup. Ça aurait été peut-être un tout petit peu plus compliqué. Non, je veux enlever mon masque. Sans cette épée. Mais... j'avais pas vu, regardez. On a réussi. Et regardez ce taureau géant. Magique. Alors qu'est-ce qu'on gagne là? On gagne des trucs bien là. On gagne de l'amour là. Ah, poussière d'eau sublime, nickel. Ça me fait plaisir. Donc ça doit être un prime feu. Je regarde s'il n'y a pas de cachette. Hein. Hop. Ouais. Je pense qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas pour la pêcheresse. Et je l'ai fait tout seul, mes amis. J'espère que vous êtes contents, là. Avec le petit montage que je vais vous faire, je pense que vous allez bien rigoler. Vous allez bien m'entendre rager. J'espère que vous êtes bien contents. Vous voyez que je sais faire des boss tout seul. Allez, on se barre. Donc, deuxième grande âme récupérée. On a fini, on va dire, la deuxième zone.
Je sais pas si on est à la moitié du jeu, du coup. On nous a dit qu'il fallait avoir 4 âmes, et je pense pas qu'avec les 4 âmes, on a terminé le jeu. Hein. Je pense que c'est une fois qu'on aura les 4 âmes qu'on aura la moitié du jeu. Un peu comme pour dans Dark Souls, où on arrivait jusqu'au calice royal. Et après le calice, bah, on avait une autre partie. Je pense que ça va se découper comme ça. Hé hey, qu'est-ce que tu dis? Hein? Tu le dis comment? C'est qui a gagné chez moi? Ouais! The soul and the curse. Your soul, I only hope it brings. M'en fous, t'es moche! Donc, du coup, est-ce que toi tu vends des choses intéressantes? Yeah, but, well. Ah, oui! Eh ben nickel, je te les achète. Ça m'a coûté cher. Mais ça pourra toujours servir. Nickel. Tiens. Est-ce que tu me donnes des trucs, toi? On s'en fout. Toi, tu me vends des choses? Non, tu vois rien du tout. Y a rien à réparer. I see that you have an ember. Ouais. I hear that embers were once you. Ouais. But the whole art was lost long ago. Okay. Including myself, I'm afraid. My. Okay. D'accord. Bah, c'est vrai qu'on a trouvé une braise et on va aller voir peut-être le forgeron à la forteresse oubliée. Vous allez voir. Toi. Ok. Tu me vends des trucs intéressants? Non. Non. Non plus. Ok, nickel. C'est pas grave. C'est pas grave. Toi, tu vends des trucs? Oh, I should. I've seen some rough time. S'en fout. Hey! S'en fout. You need a... Et il va rien d'autre. Ok. I'm rich. Super. Ok. Et ben voilà, on a notre deuxième âme. On va se téléporter à la forteresse. Forteresse, elle est là. Allez, on va se téléporter, on va aller voir le vieux monsieur. Alors peut-être que, puisqu'il nous parlait de « Oh ma chère flamme, donnez-moi une braise » ou un truc comme ça, enfin je sais pas trop. Si vous vous souvenez, ça fait super longtemps, hein. Ça fait genre au moins 5, 6, 7, 8 épisodes, je sais plus moi à l'époque. Voire peut-être plus de 10 épisodes. Voilà, ce petit bonhomme là. Bonjour monsieur, je vous ai ramené quelque chose de très intéressant. Flame, I'm Macduff the blacksmith. J'en ai une pour toi, mon chaton. Right now. Ok, je te la donne, cadeau. What a marvelous. Give me stone. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me vends? Waouh, tu me vends plein de choses. Waouh. Alors. Ah, tu me vends autant de grands fragments titaniques que je veux. Ça va être cool, ça, par contre. Alors. J'en ai plein. Donne-moi tes flux. On peut en acheter autant qu'on veut? C'est génial! Allez, je change de flèche. Ouais, ça, c'est cher, quand même. Fais voir tes armes, d'abord. Grande hache, j'en ai pas, j'achète. Épée bâtarde, j'en ai une. Faux, j'en ai pas, j'achète. Ushigatana, j'achète. Lancez-les, je crois que j'en ai une. Ça, j'en ai une. Rempart royal, 100. Ouh, il est joli. Je prends. Arc long, j'ai. Pop. Grande flèche en fer. Ça, j'achète. 48 650. Ouais, j'ai assez. Ouais, les grandes flèches, non, j'en achète pas. J'en ai acheté une. Voilà.
Ça c'est cher, mais ça, ça va me servir à crafter. Alors, peut-être pas 30, je vais t'en prendre 20. Voilà. Nickel, mon petit. Renforcer arme. Toi, tu peux renforcer aussi comme un forgeron. Infuser arme. Tu peux... Alors... Ah, on peut l'infuser de différentes manières en complément. Ah non, ça efface. Ok. Ça efface... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Foudre. Non, ça efface mon... D'accord, d'accord. Et celle-ci? Celle-ci... On peut lui mettre... Alors, elle pourrait faire de l'électrique. Et du feu. Magie, saignement, brut, enchanté, ordinaire... Ça, c'est quoi? Ténèbres et poison. Ah, j'ai bien envie de mettre poison sur cette épée. Allez. Et regardez. Flame. Dear flame. Super. Et donc, celle-ci est passée en poison plutôt qu'en foudre. Elle a un B. Ouais, elle est restée en électrique et elle est maintenant empoisonnée. C'est génial. C'est génial. C'est génial. On va tester ça sur un ennemi. On va aller tester ça. Hein. Allez, là, hop. Je vous ai dit, l'épisode ne serait pas terminé. Là, je suis à une heure de vidéo. Mais avec tous les montages que je vais faire et tous les fails... Waouh, vous allez avoir... Ouais, on a encore un peu de manœuvre. Hein. Ah, je suis super content, là. Je suis super content. Mon Dieu. Et le pire, c'est que ce boss était nul, quoi. C'était pas possible. J'aurais dû me téléporter, en fait. J'ai été débile. J'ai été super débile. Bon, c'est pas grave, ça fait revisiter. Bon, les ennemis, je les ai tous tués. On est d'accord, il y a plus personne. Non. Si. Allez, par là. Bonjour, monsieur dame, il y a quelqu'un? Non, il y a personne parce que je vous ai tous tués. J'ai pacifié la zone. Ah. Petit décalage de son là qui vient de la console. Hein. Pas arrivé. Ouais, petit décalage. Ok. Je vais peut-être pas aller trop vite. Alors, pourquoi je vais par là? Pourquoi je vais par là? Ah, tenez, je vous remonte quelque chose. Je vous avais dit que lorsqu'on était arrivé par là-bas par rapport aux gargouilles, qu'on pouvait se voir le feu d'ici. Bah oui, en effet, on est là. Tada. Bon, ça sert à rien, hein, vous avez sûrement déjà tout oublié depuis le début. Mais j'en profite. Alors, vous voyez, il n'y a plus personne, il n'y a plus un chat. C'est complètement vide. Tout le monde est mort. Hop là. Alors, pourquoi je vais là? Eh bien, parce qu'il y a une personne qui est pétrifiée. Et bien sûr, je suis tombé. Et en lisant un peu les descriptifs des objets, je me suis rendu compte, un, j'avais la clé ici. Voilà. Donc je me posais la question à quoi ça sert. Os de dragon pétrifié. Je sais pas à quoi ça sert. Et cette porte, où est-ce qu'elle mène? Eh bien, on a la réponse. Elle ne mène nulle part. Super. Merci beaucoup. Oh non, d'accord. Je peux pas prendre parce que monsieur... considère que j'ai 99 bombes incendiaires.
Et voilà. Et donc on avait cette personne pétrifiée et on peut la dépétrifier grâce à une branche ancienne embaumante. J'en ai 4 alors, ça va. Tiens, je prie pour toi mon ami. Ça va ? Flex ? Elle est pas mal ton armure. Franchement, je la trouve très classe. Merci. T'es qui ? Still a bit stiff, I'm afraid. I must thank you, young traveler. I am Strayed. I've been a guest for a very long time. Mm-hmm. Very good. Cursed one, weak you may be. Ouh ! Qu'est-ce que tu m'apprends ? Railler. Nickel. Acheter des objets. Tu me vends ça. Tu me vends augmente l'intelligence. 28 000 ! Super cher. Par contre, tu me vends pas mal de sorts et ça fait plaisir. Je reviendrai quand j'aurai plus d'hommes. Soit je peux t'acheter, c'est pas gênant. Alors, négocier, c'est quoi négocier? Épée du fondeur. Oh, si on peut utiliser les âmes des boss pour pouvoir... D'accord, c'est les armes uniques, ça. Framé du chariot. Hallebarde de Mondragon. Hallebarde rugissante. Massue dentelée. Hache géante. Ultra espadon du poursuivant. Pouah, arc de Mondragon. Ça, c'est peut être très intéressant, l'arc de Mondragon. Épée arquée. Arbalète rempart. Étordu, fourche de cargo, d'accord, lourde flèche d'âme chercheuse. Et donc les âmes sont uniques, donc si vous forgez quelque chose, automatiquement, vous pourrez plus refaire d'autres arbres qui sont, regardez là, Mondragon, c'est le bouclier. D'à côté, j'ai l'arc. Si je fais l'arc, je pourrais pas faire le bouclier. Faudrait que j'attende le new game pour la suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est pas des armes que vous pourrez avoir tout d'un coup dans un seul truc. Bon, je vais rien faire pour le moment, puisque j'en ai pas besoin. Je verrai ça plus tard ou vers la fin du jeu. Oh, long enough for the old. Why didn't anyone wait? Drang Lake. I've never heard. Is that what they call this place now? Tout à fait. Very good. The cursed ones were of course, you. The people feared the some people would rather keep dreadful things up. In the end, they swept them up and corralled them. So very typical of them. Once people became aware of they seized anybody they found under. Whoever posed even the slightest threat was removed. They even turned the great Strayed into a stone. Many kingdoms rose and fell on this tract of earth. Anything that has a beginning also, but then from the ash, it is all a curse. And it is your cursed. Pyromancy was created by the ancient witch of oui, fire. Tout à fait, ces sorcières d'Izalith. Je les ai rencontrées. She harnessed the power of flame and melded. The witch led her daughters into war. Alors les anciens, c'était des dragons. But, legend. Non, c'est pas des légendes, j'y étais. J'ai fait ça dans Dark Souls. Oh, long enough. Ok. Why didn't anyone... Drang... Non, 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 je veux plus te parler. Just walk off, cursed one. Bon, alors ce mec, il va sûrement rester ici, c'est pour cela qu'il y a un feu. Ok, feu allumé. Et moi, j'ai envie de tester. On va aller tester cette épée ici. Voilà, puisque la suite logique, selon moi, d'après la zone, la suite logique de comment ça s'appelle, de la forteresse de fer, ça serait qu'on aille dans le truc de dessin. Et je pense m'y aventurer un petit peu pour cet épisode. On va avancer, voilà, et on va tester cette épée. Ça m'a l'air d'être assez épique.
Alors je sais pas ce qui m'attend. La dernière fois où on avait été ici. Ouais. Dernière fois il y avait plein de rats. Mais alors quand je dis plein de rats, c'était genre des rats par millions. Waouh. Aïe. Alors, je vois pas si ça leur fait... Waouh. Qui c'est qui me tape? Alors, je sais pas ce que ça fait, ça. Ça doit être de la pétrification. Ok, ok. Donc, on s'en souvient, on était déjà allé ici. Et on va visiter. Alors... Gilligan nous a dit qu'il y avait une sorte de décharge et une zone avec des rats. Donc on doit être dans la zone des rats, mais il doit rester quelque chose. Donc comment on fait pour monter là-haut? Donc, on va essayer de visiter un petit peu cette zone. Oh les rats arrivent! Allez, ben allez! Elle est super bien cette épée. Elle me manque un petit peu le... Oh, il y a une pierre de Pharos. Pas de pierre de saut de Pharos dans l'inventaire. Super. Allez, meurs, espèce de zombie. D'accord, donc il y a une pierre de saut de Pharos. À retenir, les amis, pierre de saut de Pharos ici. Une deuxième pierre de saut de Pharos? Ah, mais ça doit baisser ça, en fait. Par contre, ça, je sais pas ce que ça ferait. Deux pierres. Par ici. Trois pierres? Inutile. Cette pierre serait inutile, du coup. Ok. Bon, bah, pour le moment, ça va. Je pense qu'on est assez fort pour cette zone. 4 pierres de saut de Pharos? Non, mais là, mais vous délirez, les mecs. Allez, venez, les rats. Oh là. Allez. C'est pas des rats qui me font peur, moi. Moi, j'ai pas peur des rats. 5 6 6 pierres de saut de Pharos, quoi. 6 pierres de saut de Pharos. Non, mais c'est... Ça doit être gavé de secrets là-dedans. Ou alors c'est gavé... 8 6, 7. Il doit y avoir pas mal de trucs qui sont totalement inutiles. Genre, tu dois bien te planter, comme c'est super rare les pierres de saut de Pharos. Piège. Oh, il y a un feu ici. Allez, venez les copines, venez à la maison. Voilà, ça c'est bien. Un petit feu allumé ici. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est confiance, donc audace nécessaire. Oh, ça sent le boss. Ça sent le boss. Ouais, ça a l'air d'être une arène. Je pense qu'on va être envahi de milliers de rats. Ça va être la débandade. Oh là 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 là. Je vais quand même visiter par là, moi. Pause du retour. Hé les rats! Youhou! Et kiki! Bah alors? Ah, il bouge pas. Bah, les rats! Bah, les rats! On peut pas péter ça? Il était quand même grand, le monsieur. C'est bizarre quand même qu'on peut pas péter ça.
Eh, ils étaient quand même grands, les messieurs, ici. Hein. C'est quoi, cette zone? Ouh, d'accord. Ils étaient scriptés. Par contre, j'aurais bien aimé avoir l'objet là-bas. Je suis un peu déçu. Eh bah, on va aller voir, on va aller voir le boss et on va voir ce que ça donne. On va se faire 3 boss dans cette vidéo. 3 boss, mes amis. J'espère que vous êtes contents. Là, l'épisode 20, je vous gâte. Ça va être en 1080, ça va être super long, ça va être de l'arrache, ça va être du combat. Ça va se faire 3 boss. Pouah! Alors. Qu'est-ce que... Ok, des rats, donc. Hop là. Non. Hop là. Hop là. Wow. Par contre, ça va être tendu, là. Eh, les rats. Mon dieu, quoi. Non, mais le nombre d'ennemis, c'est une armée. Allez, recule. Oh. Oh là 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 là. Avant-garde des rois, du roi rat. Hein, c'est quoi ce bordel? Allez. Et c'est même pas le boss, hein, c'est vas-y, quoi. J'espère qu'il... Super. Non, allez, non. On va se le faire, c'est possible, hein, en fait, faut juste éviter de se faire submerger. Donc je vous reprends tout de suite. Et on se reprend donc ici, alors, et dans cette petite ellipse, j'ai amélioré mon arc. Alors, vous voyez, il est en plus 7. J'ai amélioré aussi mon armure, qui sera en plus 6. Et j'ai changé mon... d'anneau. Donc si je meurs, je deviendrai une carcasse. C'est pas gênant. On va gagner du temps là, comme c'est des... Allez. On va y aller à l'arc. On va essayer de... On va y aller tranquillement, méthodiquement. On va tourner. Hop là. Là, il y en a beaucoup quand même. Hein. Ah.
Ah là là là. Allez, on y va tranquillement. Allez les filles. Allez les filles, je parle pas beaucoup, je suis concentré, je voudrais dire. On va dire. Allez. Salut les filles. Il est balèze celui-là. Ouf, aïe. Ok, d'accord. Alors, avant-garde du roi. Il est où le plus gros? Il est où le gros? Je vois pas. Je sais pas lequel c'est. Ça y est, je commence à paniquer. Alors, regarde. Il est là-bas. Quoi, je l'ai tué? Je l'ai tué? Avant-garde du roi rat. Que de rats. Et ils rentrent tous. Wow. C'est quoi que j'ai gagné? Que de rats. Une queue à remettre au roi rat. Au roi rat? Eh ben, on l'a eu! Pour victoire, hurrah! Allié droit devant. Bonjour, monsieur. Leave this place, human. T'es moche, hein? We have no time for the... Humans bring... Is that... a rat tail, ouais, human? Tout à fait. Last one of mine rat burrows conquered. Rejoice for the... Since thou art human, permit me ask, wilt thou thy... swearest thou? Serment rongeur? Ouais. Thou hast the eyes, human. Take this ring. Ouais. It was... Emblème du rat. The ring draws to thee... Those who wear the ring whenever and destroy the, I will grant un. D'accord, c'est du PVP aussi. Speak thy mind. Donner queue de rat. Ah d'accord. Et tu gagnes des queues de rat pour augmenter. Très bien. Qu'est-ce que tu me vends, toi? Des urnes corrosives. J'en ai pas. Des pastilles de serpent trinoculaire. My servant, there has been much honor in thy service. Ouais. I am merciful. The insolent fools. My servant, knowest thee of the lockstones? Oui. Though thou art human, and I know thy kind, base plotters. My servant, there has been much honor. Okay. I am merciful. C'est bien, je suis content. Go then. Wow, my servant. Ce truc. Ah, d'accord, c'est comme ça qu'on descend. Ok. Eh ben, on a trouvé un nouveau serment. Ça, c'est le roi rat. Et en fait, c'est du PVP, c'est un peu comme pour les cloches. C'est-à-dire, si je mets l'anneau et que quelqu'un vient ici et vient taper des rats, je serai invoqué pour le tuer. Tout simplement. Bon, là, il y a eu personne quand j'étais venu, parce que ça doit être un serment qui est tout pourri. Clairement, je reviendrai dans mon serment solaire, je suis désolé. Je vais d'abord t'acheter 99 de tout ce que tu as. Donc je vais devoir XP un peu pour cela. Hop là. Pierre de saut de Pharos. Cool. Alors, par contre, là, c'est dangereux. Saut.
Ouais, c'est, je sais pas où on va, mais on y va. Hop. Et bah là, on pourrait pas dire que je vous fais pas du contenu, là, les amis. Hein. Cet épisode 20 n'a que trop duré. Wow, 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 wow. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Pierre de saignement. D'accord. Et là, on se retrouve ici. Ok, tout en bas. Bon, le petit truc, je te tuerai plus tard. Et donc, ça, ça sera notre... Dans l'épisode 21, on commencera à aller visiter cette zone-là. On essaiera de voir si on peut acquérir l'objet là-bas. On va sauter, on va aller voir. Mais voilà, en gros, c'est ce qu'on va faire dans les prochains épisodes. Ça va être cette nouvelle zone qu'on va visiter. Je sais pas du tout ce qui va m'attendre. Je sais vraiment pas. J'ai terriblement peur. Donc, mais avant ça, je pense qu'il y aura une bonne grosse ellipse où je vais essayer de tuer des boss avec de la coop. Et il y a pas d'échelle pour venir ici. Mais comment je fais pour partir? Hey Gilligan, donne-moi une échelle. Bon. Je vais prendre un os du retour, mais je vais essayer quand même le saut, là. On va essayer de voir. De voir si je peux y arriver. Olé. Oh, ça reste d'être tendu, ça. J'ai un petit peu peur. Ah, oh, mince, je me suis foiré. Oh non, les momies. Les momies. Oh, les enfoirés de momies. Méchante momie. Pas se foirer. Hop. Allez, méchante momie. Y'a encore des momies? Y'a encore des momies? Résine de pas brûler? Oh, si je peux pas le récupérer, c'est que j'en ai 100. Mais moi je voulais remonter au départ. Objet droit devant, ici gauche. Y'a pas une porte? On aurait dit. Alors gauche, il m'a dit. Bon, je vais encore un petit peu avancer. Je vais voir si on trouve un feu. Si on trouve un feu. Soit majeur. Cool. Si on trouve un feu. Je serai le plus heureux. C'est dégueulasse ici. C'est dégueulasse. Ok. Ok. Essayez droite. D'accord. C'est bizarre, mais ces plateformes ne disent rien qui vaille. Attention, saut. Olé! Trop! Attention, on y va! Pour astuce, oura. Astuce? Et de l'astuce ici. Alors ça, vous voyez, ça me fait penser à une chose que je déteste. La zone. Jeanne de vie radieuse, youpi. Une zone qui était faite de bois comme ceci, où on devait s'enfoncer au fur et à mesure. Ça y est, son nom m'échappe. Son nom m'échappe. Et je crois que bah, ça y ressemble pas du tout, mais ça me fait énormément penser à ça. Ne lâchez rien. Ok. On peut pas faire demi-tour. Hein. A priori, c'est un gentil coffre. Marque de malveillance. Ah, je fais durer l'épisode, je devrais m'arrêter, mais je cherche un feu! Dépotoir.
Hop, casser les... On peut toutes les casser! Ça a l'air d'être super sombre ici. On y voit que dalle. Ça sert à rien de casser ces trucs. Hein. Waouh! C'est qui m'a fait? Qui c'est qui m'a jeté? C'est vous? Vous m'avez jeté. Allez, je. Waouh! Je suis empoisonné! C'est les statues qui balancent des. Hé! Hey salope! Prie! Ah, bah, j'y vais pas. On y retournera dans le prochain épisode. Je m'arrête ici. Allez hop, je me téléporte. Pouh. Ah bah, on sait ce qui nous attend. Une zone très très sombre. Hop. Je peux me téléporter à ma chute là. Une zone très très sombre. Beaucoup de méchants. On a trouvé un nouveau serment. Moi, je vais bientôt le quitter, sûrement off. Et je remettrai mon serment solaire. Parce que je trouve bien mon serment solaire. Ma petite dédicace à Astor, Astora. Non, je sais plus comment il s'appelait. Solaire, et non, c'était Solaire d'Astora, voilà. Bah, cette épée est pas mal. On a fait la zone par là-bas. On a fait la zone par là-bas. On va faire la zone du milieu. Et après, je pense qu'il ne restera plus qu'à aller par là-bas. Là où il y avait un mec pétrifié. On va pas y aller tout de suite. Moi, ça m'intéresse. Je suis très, très intrigué de savoir ce qui se passe dans ce trou. Dans ce dépotoir. Je sais pas pour vous, mais... Donc, en tout cas, ça a fait un long épisode où je me suis bien amusé. J'ai un peu ragé, désolé. Et on s'est fait 3 boss hein, quand même. Un où j'ai fait en coop et 2 où j'ai fait tout seul. Donc applaudissez-moi. Mettez-moi un pouce bleu, un pouce vert ou tous les pouces que vous voulez tant que ce n'est pas dans le derrière. J'aurais pas dû faire cette blague, c'est pourri. Désolé. Je vous dis donc on va essayer bah, la nouvelle émoticône. Hein, c'était quoi? C'est raillé. On va la changer celle-là. Hop là, on va mettre raillé. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ha ha ha! Pas de chance, c'est moi qui ai gagné! Voilà, donc je vous fais tout plein de bisous, tout plein de bonheur. J'espère que ce let's play vous plaît. Moi, je m'amuse comme un petit fou là, c'est hallucinant. J'adore ce jeu. Dark Souls, c'est génial. Je kiffe! Je kiffe! Et je vous dis donc au revoir! A ciao tout le monde et on se retrouve très vite pour l'épisode 21. Bye bye!